bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale, donc du 27 au 2 avril pour les béliers. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, comment choisir son pendule, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je propose également des cours de cartomancie via WhatsApp. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourra parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. Je le répète encore, hein, les énergies sont interchangeables. Quand nous parlons d'énergie tierce, il pourrait s'agir d'un travail, d'une passion, d'une addiction, par exemple, ça ne sera pas forcément une personne. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire, pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'astrocrèche sur un tableau de 9 cartes, ensuite l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes et on ira faire un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs et on recouvrira avec le jeu des 152 mots. Allez, donc c'est parti pour les béliers, donc du 27 au 2 avril. C'est parti, allez, donc bélier sentimental, oh ben, allez donc. Je vais pas les prendre, on va remélanger, bélier sentimental du 27 au 2 avril s'il vous plaît. Alors votre hôte a trop de choses en tête, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup à gérer. On pourrait avoir une personne qui va s'excuser effectivement d'avoir peu de temps pour vous. Il y a une très forte attirance l'un vers l'autre, mais actuellement, effectivement, votre hôte n'a pas de temps, n'arrive pas. C'est quelqu'un qui vous attire et qui est attiré par vous physiquement, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça. On voit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, bon, on voit que cette personne a beaucoup de choses en tête, des choses à gérer actuellement. Malgré l'attirance qu'il ou elle a pour vous, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps pour le moment. Je dis bien pour le moment. On voit qu'il y a une très forte attirance entre vous. Vous réfléchissez beaucoup l'un à l'autre, mais je pense que vous manquez de confiance aussi bien l'un que l'autre. Hein. On vous fait, alors, votre hôte pourrait vous faire penser qu'il ou elle vous aime que d'amitié, que ça ne sera que physique, alors que je pense que cette personne a envie de plus, puisque effectivement c'est une personne qui pense toujours à vous. On voit que cette personne manque de franchise envers vous, puisque c'est une personne vraiment qui a envie de se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, pourtant en lui ou en elle. On voit que l'histoire est tout à fait possible entre vous, mais que ça a du mal à prendre. On voit que ça a été un véritable coup de foudre pour vous, mais cette personne a peur de l'engagement. On voit que c'est quelqu'un qui a des addictions, donc ça peut être le travail, ça peut être le sport, la bouffe, la cigarette, l'alcool, ça peut être n'importe quoi. On voit que c'est une personne de votre passé et qui est aussi influencée par le passé, d'un éloignement qui a été fait par le passé. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez coupé contact avec
pendant un petit moment. Et en fait, ça joue sur la relation actuelle. Et ça joue par rapport au futur, puisque c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Mais on voit qu'il va y avoir un éloignement. Hein. Un éloignement. Il va y avoir une évolution, pardon. Il va y avoir une évolution. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. On voit que c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. Je pense qu'il doit aller dans l'hésitation par rapport à l'éloignement qu'il y a eu par le passé. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, bélier sentimental. Alors, j'en ai déjà deux qui sont sautés. On me parle de deuil par rapport à une femme, de tristesse par rapport à une femme. Donc, ça correspondrait avec ce que je disais avec l'astro crush. Allez, bélier sentimental du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. On a une personne qui porte des masques, une personne fausse avec vous. Ou vous êtes faux ou fausse avec cette personne. Ouais. Il y a un nouveau départ quand même. Moi, j'ai un renouveau qui vient. Il y a eu cette période de break avec cette personne. Donc, ça peut être une personne immature. Ça peut être une personne immature. Ça peut être une personne plus jeune et ça peut être une personne qui a des enfants. Alors, on me dit bien qu'il y a une évolution, on me dit bien qu'il y a de l'engagement avec cette personne, on voit que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais cet engagement, pour moi, va prendre du temps, va prendre beaucoup de temps. Je ne peux pas. Il y en a trop. C'est quelqu'un, alors moi, c'est quelqu'un qui pourrait travailler via les réseaux sociaux. On voit qu'il y a une évolution quand même dans votre relation. Alors, c'est quelqu'un qui peut travailler via les réseaux. C'est une personne qui pourrait travailler sur le fait qu'il ou elle vous surveille sur les réseaux. Moi, j'ai plutôt une addiction dans le sens où cette personne, en fait, a besoin de savoir ce que vous faites. Hein. A besoin de savoir ce que vous faites, avec qui vous êtes, parce que c'est quelqu'un qui a tellement attiré par vous qu'il ou elle a besoin d'avoir un peu ce pouvoir sur vous pendant ce laps de temps de break hein, qu'il y a entre vous. Hein. On voit que par rapport à ce break, cette personne est en crise totale. Alors, on va aller voir sur le masque. Pour moi, on voit que cette personne porte un masque. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas franc avec vous ou vous avec lui. C'est quelqu'un qui va vous donner bientôt des nouvelles. Hein. Alors, sur la difficulté, la montagne, on a une progression. Hein. J'ai quand même une progression avec vous, mesdames. La jalousie, qu'est-ce que j'ai? Une femme aussi. Alors, je pense que vous êtes jalouse d'une tierce personne. Ou peut-être via les réseaux. Vous avez peut-être peur qu'il y ait une triangulaire pardon avec une personne via les réseaux sociaux. Pour moi, j'ai quand même une belle évolution puisqu'on va avoir une déclaration qui vient et on voit qu'il y a l'engagement, on voit que cette personne a envie de progresser avec vous. On peut être sur un couple homo ou bi hein, puisque nous avons deux femmes, on peut avoir ce côté gay hein, homosexuel hein, ce qui ne me dérange pas. En tout cas, c'est une union. Enfin, c'est un couple où il y a beaucoup d'attirance, où il y a beaucoup d'amour. On voit que cette personne peut se mentir à lui-même ou à elle-même par rapport à ce retour. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de revenir, mais qui ne sait pas comment faire. On voit qu'il y a une période de deuil, il y a une période de tristesse. On voit que c'est par rapport peut-être à l'argent ou le côté cœur. Ça peut être même les deux. On peut avoir une personne qui a perdu un être cher. Et que financièrement, bah, ça joue. On peut avoir quelqu'un qui pèse le pour et le contre, qui a du mal à prendre une décision. On voit qu'il y a quand même de l'évolution. On me donne le grand oui.
Oui, l'histoire est là, l'histoire est possible. On vous dit qu'il y a une invitation qui vient et encore une fois, on va avoir l'abondance, la richesse, mais vous devez couper des liens avec un divertissement qui n'est pas bon pour vous. On vous dit de prendre le temps, pour moi, de prendre le temps. Méfiez-vous de vos colères, de vos impulsions, de l'impulsivité aussi que vous avez, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir la mise en lumière, hein, sur une relation d'âme, sur un lien que vous avez, et on vous dit que vous avez des solutions, vous avez la clé pour faire évoluer cette relation. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Cadeau et évolution. Donc, je pense qu'il y a effectivement quelque chose d'inattendu. Je pense qu'il va y avoir une évolution à laquelle vous ne vous attendiez même pas. On parle encore d'engagement. On vous dit hein, que cette personne a été trahie, donc soit par vous, soit par une autre personne, soit par la vie tout simplement. Et c'est quelqu'un en fait qui va l'amener à agir d'une façon qu'il ou elle ne pensait pas devoir agir. On voit que par le travail, on pourrait avoir une trahison via le travail aussi. Donc faites très attention les béliers ou votre hôte, faire attention. Il y a ou il y aura une trahison via le travail, ce qui va vous amener à avoir une progression complètement inattendue. Il y a de l'instabilité. On vous demande à vraiment de retrouver le calme, la sérénité qui cause vos instabilités, hein, qui cause vos inconstances ou inconstances. Ouais, vos inconstances émotionnelles, on vous dit vraiment de retrouver un équilibre. Hein. Donc, travaillez sur ça. Vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à voir les choses comme elles sont avec cette personne. On parle d'une personne qui pourrait être étrangère ou d'origine étrangère. On voit que ça pourrait être quelqu'un sous le signe du balance. Balance, balance. On peut être aussi sur une prise de décision. Sur la sexualité. Vous pourriez avoir une relation sex friends avec cette personne, hein, mais encore une fois, on vous le dit, il y aura une évolution. Hein. Il y aura une belle évolution, il y aura beaucoup de richesse dans cette histoire, dans cette relation. Et qui sera très, très positif. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il va y avoir une évolution inattendue hein, alors avec votre autre. On voit qu'il y aura, alors il y a, ou il y a eu, il y aura une trahison via le travail, ou il faut travailler sur une trahison qui a été faite et qui vous empêche de vous unir, puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir une union. On vous dit qu'il y a de l'instabilité, il va falloir travailler sur ça, sur votre instabilité, pour retrouver un équilibre. On vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous avez du mal à comprendre concernant une personne d'origine étrangère, où la situation, vous êtes étrangère parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. On voit qu'il y a une prise de décision où il y aura un équilibre dans une relation sex friends ambiguë ou vraiment passionnante, envoûtante. Il va y avoir une évolution vers une relation où il y aura de la richesse, de l'abondance, de l'amour, du partage. Ce sera très positif ici. On voit que votre hôte hein, s'est enfermé, c'est quelqu'un qui s'est recroquevillé sur lui-même. On vous demande d'être patient, puisque c'est quand même quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous a toujours dans la tête. Malgré cet échec qu'il y a eu en premier temps avec cette personne, on vous dit qu'il va y avoir un retour, voyez, un retour pour ouvrir la porte vers l'avenir. On vous demande de trouver une complicité, d'une entente, de prendre de l'élévation, de prendre de la hauteur et de pouvoir avoir une discussion, vraiment, on insiste sur la discussion, d'avoir un rendez-vous où vous pourriez discuter avec votre autre. Et là, il va falloir prendre une décision. La décision, on vous dit que ce sera un changement. Pour moi, ce serait un changement vers l'engagement, puisque on me parle de mariage, de Pacs, d'union, etc., etc. Hein? D'officialisation, en tout cas. Allez, on va aller voir avec. Bon, j'allais faire une bêtise, moi. Tac, tac et tac. On va les recouvrir avec le jeu des 150 de mots. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, bon, j'en ai qui sont sortis. Ruse, orgueil, plaisir. Protection, ok. Ouais, moi j'ai quand même quelqu'un qui agit avec beaucoup de ruse hein, par rapport à son orgueil. Donc c'est une personne qui a peut-être été blessée par le passé. Hein. On vous parle de triomphe.
Encore une fois, on vous dit, hein, vous avez la clé, hein, c'est vous qui avez la clé pour faire évoluer les choses. Hein. Couple. Moi, j'ai quand même une ouverture sur le couple. Attente. Donc voilà, il faut. Vous avez la clé. Je pense que la clé est justement la patience pour fonder un couple avec cette personne. Quitter. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez déjà quittée. C'est peut-être quelqu'un qui vous a quitté, avec qui vous aimeriez peut-être. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui vous a quitté. Ou alors, on vous demande vraiment de quitter cette instabilité émotionnelle. Hein. Mais c'est ce qu'on a hein, ici, instabilité émotionnelle. Hein. On vous dit hein, de retrouver la sérénité. Hein. Surprise. Eh bien, l'inattendu. Hein. On a quelque chose d'inattendu. Perte. Méfiance. Moi, j'ai quelqu'un qui se méfie. Ouais. Pour moi, c'est ça. J'ai quelqu'un qui se méfie. J'ai peut-être quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui pourrait quand même vous surprendre prochainement, qui se méfie vraiment. Moi, j'ai quelqu'un comme ça. J'ai quelqu'un qui se méfie, qui a peur de vous perdre, qui a peur de perdre l'envie, enfin, pas l'envie, mais qui a peur de perdre, de vous perdre encore une fois, peut-être. Ouais, on me parle d'orgueil, ok. Allez, alors. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur de faire une erreur. Vous allez quand même... Pour moi, j'ai un triomphe quand même. Ah, on pourrait vous faire des confidences, hein. Ok, donc moi je vois quand même qu'il y a une personne, hein. Cette personne pourrait agir avec beaucoup de ruse, c'est quelqu'un qui pourrait vous tester, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire montrer une instabilité sur les mots, la façon d'agir, c'est quelqu'un qui va essayer de jouer sur votre instabilité pour voir si peut-être vous êtes fiable ou pas fiable. On voit qu'il y a une surprise, mais cette personne pour l'instant reste méfiant puisque c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. On voit que cette personne a besoin de calme, a besoin de temps surtout pour construire avec vous. Il y a une première erreur. Pour moi, il y a eu une première erreur. Je sais pas si j'ai quelque chose sur cette erreur. J'ai une première erreur qui a été commise, soit par vous, soit par votre autre. Ouais. Mais en fait, cette erreur, voilà, on se rend compte que bah, vous avez les mêmes vibrations. On voit que vous êtes des liens d'âme. On vous dit qu'il va y avoir un changement très très bientôt là qui arrive, qui passe. Et on vous dit bien que pendant un rendez-vous, vous pourriez avoir des confidences de votre autre. Je pense que cette personne pourrait vous faire une déclaration, peut-être là de la surprise. Donc, on voit qu'il y a quand même de la méfiance, hein. Ouais. Moi, j'ai une énergie, vibration, énergie. Donc, pour moi, il va y avoir une énergie totalement différente, hein. Très, très différente. Se réconcilier, c'est peut-être ça. Indépendance. Amour. Bon, ben voilà, je pense que tout est dit, hein. Je pense que voilà, on a vraiment quelqu'un qui a peur de vous perdre. Qu'il y a une première erreur, une première séparation qui a été faite, peut-être deux, trois ou quatre. Mais aujourd'hui, voilà, on a envie de voir. Cette personne est en train de tester, de voir, peut avoir des changements de comportement par rapport à ses paroles. Et on vous dit vraiment que cette personne a envie de construire avec vous et qu'il pourrait y avoir effectivement des confidences là sur un rendez-vous. On parle de surprise, donc on pourrait effectivement avoir cette réconciliation qui vient et une nouvelle énergie qui vient à vous sur le mois d'avril. Donc voilà les béliers, ascendant bélier, lunaire bélier, mars en bélier, etc., etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances pour la deuxième semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous!